dû prendre mes raquettes. Pourquoi? Les gens en mettent? Ce qui est très marrant, c'est que bien que ce soit une vieille tradition, ça reste l'un des moyens les plus efficaces de marcher sur la glace. Waouh! Je crois que vous allez vous plaire à Beaverfield. Chaque personne qui vit ici a quelque chose d'un peu suspect. Un job! Bref, entre les habitants et le mauvais temps, c'est la totale. Oh. Ranger, vous en faites une tête, on dirait que vous avez vu un cadavre. Les routes sont en piteux état et nous avons un problème avec le générateur. Quel générateur? Ils sont tous en panne. J'arrive pas à aller sur Internet! J'oubliais. On a aussi un cadavre sous le porche. Oh la vache! C'est probablement un loup. T'es devenu un spécialiste des loups, Marcus? Allez savoir où et quand il remettra ça. Et qui sera sa prochaine victime? Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que le danger est à l'extérieur et qu'il convient de rester groupé. Simple curiosité, qui porte une arme ici? La vache. Bon alors, c'est parti pour la soirée pyjama. Avec des flingues. Avec des flingues, oui. Les méthodes de ce prédateur sont très singulières. Ce n'est pas un humain. Ce n'est pas un canidé, mais c'est l'un d'entre eux. Et ce serait quoi? Un lycanthrope. Quoi? Un lycanthrope. C'est un loup-garou. Comment il aurait pu entrer? Comment il est sorti, plutôt? Qui a dit qu'il était sorti? C'est peut-être moi, le loup-garou. C'est peut-être toi, le loup-garou. T'es un loup-garou. T'es un loup-garou. T'es un loup-garou. T'es un loup-garou. Peut-être qu'on est tous des loups-garous. C'est quoi le topo? On se retrouve dans une impasse mexicaine? Mon chéri, on dit pas mexicaine, c'est une impasse tout court. Elle est sûrement déjà ouverte. Logiquement, elle devrait. Il suffit de... Vous essayez de sortir. C'est bon. Ne veut pas se faire. Je t'en ai dans les deux de sécurité. Qui... Non, pitié, ne m'épargnez pas. Oh, faites pas ça, je vous en supplie. Bon sang, vous parlez d'un coup de chance. J'aurais très bien pu y arriver toute seule. C'était pourtant pas si compliqué que ça.